J'essaye de lui apporter mon regard extérieur, à vrai dire ma vision un peu différente de la sienne, parce que ma culture elle a beaucoup évolué depuis que j'ai arrêté de faire du Figaro. Donc voilà, j'essaye de l'enrichir avec ça et puis forcément d'amener mon expérience en stratégie aussi. J'ai de la chance d'accompagner Sébastien qui est un spécialiste de la série cette semaine, donc ça me permet d'accéder à la régate à un très bon niveau. Donc c'est pour moi un très bon moment et puis ça me fait plaisir de revenir sur cette série que j'aime beaucoup. Que le parcours du Tour de Bretagne est un des plus beaux qui existent. Donc voilà, il y a tous les ingrédients réunis cette semaine entre le parcours, le niveau de la compétition pour faire une super régate. Je dis souvent qu'il y a des fois on va de l'autre côté du monde pour participer à des courses qui sont pas terribles alors qu'à côté de chez nous on a des courses incroyables comme ce Tour de Bretagne.